Bonjour tout le monde, ici Annika du site t et bienvenue à un nouveau Top Chrono Aujourd'hui le jeu venette de Pedestrian, un jeu qui met en plein, le petit bonhomme qu'on est habitué voir sur les toilettes, le petit garçon, le petit fille, qu'on va devoir bouger dans différents puzzles. Et oui, parce que The Pedestrian, c'est un jeu de puzzle et d'aventure. Bah, aventure, ben, aventure c'est très près les cheveux, là, mais c'est un jeu de puzzle dans lequel il va falloir déplacer le petit personnage au travers de différentes scènes. C'est un jeu développé par Skookum Hearts et édité par Skookum Hearts et Rubbish Games. C'est un jeu qui est disponible sur PC PS4 pour environ 27 dollars. C'est un jeu qui est censé sortir sur Switch et Xbox One éventuellement. Pas de date pour l'instant. Et c'est quoi, les pétriennes? Comme je vous le disais tantôt, en mise en bouche, c'est un jeu dans lequel on va devoir déplacer le personnage à travers différentes scènes, différents panneaux, si on veut, et il va falloir trouver pourquoi. Comment ouvrir une porte, comment le faire devant le les escaliers, et ainsi de suite, il va falloir déplacer les panneaux, déplacer, faire des liens, et ainsi de suite pour, pour que notre petit bonhomme progresse de zone en zone. C'est une simple, assez simple. Approche. Il n'y a pas trop de difficultés à prendre au début. Oui, vous allez mettre quelques temps avant de prendre la zéro puzzle au début, mais rapidement, vous allez le prendre en main et ça va être facile pour vous. Euh, C'est un jeu visuellement qui est beau il a pas grand chose à dire. Oui, le background est super beau. C'est un des backgrounds On va se promener dans les maisons, dans les dans les égouts, dans les. dans les entrepôts, dans un peu partout on se promène dans la ville, bref, on se promène un peu partout, mais le gros de l'action se déroule sur des petits euh, des petits papiers, des petits panneaux, des petits trucs en avant. Et c'est là-dedans que le gros de jeu va se développer dans des télés. Un peu partout on nous apprend à faire des. des. des on nous invite à peser des boutons au fur et à mesure. La musique qui est dans le jeu, a rien à reprocher. C'est une musique qui va ça, ça très bien au jeu, les, 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 ça, ça augmente à notre envie, à notre immersion dans le jeu. Disons qu'on qu s'amuse avec. Euh, sinon c'est un jeu comme je vous disais facile C'est un jeu qui a pas beaucoup beaucoup de rejouabilité parce Ben oui et non parce qu'un coup on a fait la puzzle On sait comment le faire, on peut juste la faire plus rapidement Mais c'est quand même un jeu intéressant vous cherchez un jeu de puzzle de pedestrian C'est un bon jeu pour vous et comme je vous disais tantôt Pour une trentaine de dollars, c'est un peu cher Mais il vaut quand même le coup okay. C'était notre top chrono de The Pedestrian Bye bye